ici vous avez un tracteur Zambach, un tracteur autrichien des années 50, début des années 50-55, qui est avec un démarrage, donc à mèche, et en freinement par courroie. Il fonctionne, il n'y a pas de pédale d'accélération, il fonctionne juste avec une manette d'accélération qui au contour. C'est un monocylindre donc de 20 chevaux qui fonctionne bien. C'est un démarrage à la manivelle sur le côté. Contrairement à ça, c'est un petit peu le même système que la Gaillard aussi. Pour dire de plus, c'est un 4 roues motrices, donc dans les premiers 4 roues motrices qui l'on peut trouver sur le marché dans ces années-là. C'est un petit tracteur qui va partout et c'est prévu pour le bois, le travail du bois dans les régions autrichiennes un petit peu escarpées. Un petit bruit spécifique pour un monocylindre, effectivement, avec un claquement, mais c'est normal, c'est régulier. Quoi dire de mieux, je ne sais pas, c'est incroyable. C'est particulier parce qu'on n'en a pas eu dans la région non plus, forcément. Ce tracteur nous vient de la région du centre de la France. Il a été un petit peu retapé, il y a encore un petit peu de travail à faire dessus, mais on peut le sortir quand on veut. Il marchera toujours. C'est au régime le plus haut. Pas énormément d'équipe.